Vous allez finir par vous lever ou je vous fais sortir du lit par la garde. Mais ça va. Mais non, ça va pas. Maintenant que vous avez une place fixe à la table ronde, vous n'escomptez tout de même pas être en retard. Mais c'est bon, j'ai le temps, il faut 5 minutes pour me préparer. Mais oui, à condition de pas bouffer, de pas se peigner, de pas se laver et de s'habiller avec ses fringues dégueux. Pas s'habiller, c'est en armure. En armure, oui. Elle est encarmélie de votre armure, abruti. Ça fait 15 jours que je vous dis d'aller la chercher parce que vous l'avez oubliée. Mais c'est pas vrai. Eh si. Alors il faut vous trouver quelque chose de correct à vous mettre sur le dos. Mais c'est obligatoire l'armure, si je l'ai pas, je vais me faire tuer. Mais non, vous allez passer pour un crétin. Si ça avait dû vous tuer, vous seriez plus là depuis longtemps. C'est pas vrai. Ah mais c'est bon. Normalement, je suis pas censé accepter ça. Là non, attention, Yvain. Moi là, je serais en droit tout de même de vous exclure de la réunion. Ah bon, alors bon, là ça va. J'ai un mot de votre mère qui me dit... Je sais plus ce qu'elle me dit. Ah mais c'est parce que j'ai oublié mon armure en carmélide. Ma mère qui m'a filé ça, mais attends, c'est trop pourri. Oubliez son armure, je devrais vous coller au pain sec pendant 6 mois. Surtout qu'il est à l'ordre du jour, hein. Non mais franchement, ça ressemble à quoi? Bon, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bort, s'il vous plaît, veuillez exposer le truc. Nous avons essayé de trouver une mission d'ordre militaire pour les seigneurs Yvain et Gauvin. Connaissant leur faible expérience en tactique, la tâche n'a pas été... Ouais, ça a été une tannée, ouais. Vu qu'on peut pas vous confier ni une escorte, ni une troupe à conduire, ni une cartographie. Oui, bah c'est pas la peine de la ramener. Il y en a combien autour de cette table qui savent faire de la cartographie? Moi, c'est ma spécialité. Mais c'est quoi, ça? C'est l'île de Bretagne. J'ai fait tout le tour 2 fois, pour être sûr. Bon, ça va comme ça. Père Blaise, s'il vous plaît, vous énoncez la mission. Bien. Les chevaliers Yvain et Gauvin devront assurer la relève d'un poste avancé et y résider en garnison 2 semaines durant pour y assurer la surveillance du périmètre. Voilà, une mission somme toute assez simple, hein, qui peut tout de même comporter quelques risques. Moi, ça me semble une bonne idée. Yvain, Gauvin, vous avez des questions? Oui, mon oncle. C'est, par rapport à la mission, il y a quelques termes dont la signification m'échappe. Ouais, moi pareil. Bon, la garnison, c'est ce qu'il y a en plus de la viande dans un plat. Mais alors le périmètre, je me souviens plus si c'est pour mesurer le tour de cuisse ou le tour de bras. Le tour de bras. Tour de bras? D'accord. Vous savez que la Bretagne, c'est une île. Vous le savez ou pas? Oui, mais ça change quoi? Ça change quoi à quoi? Ah non, je sais plus, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc, comme la Bretagne, c'est une île, les envahisseurs arrivent par là. Ils arrivent par où, les gens, quand on habite sur une île? Ils arrivent par milliers? Non. Ils arrivent par la Bretagne? Non. Ils arrivent par la mer. Voilà. Donc, on a fait installer sur tout le tour de l'île, et un petit peu sous l'impulsion de votre père qui s'est montré particulièrement casse-couille avec ça, des postes de surveillance côtière. Mais quel rapport avec la Bretagne, je crois, en bas? Et si jamais il y a des envahisseurs, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du poste où vous serez affecté. S'il est isolé, il faut allumer un feu sur le sommet, puis s'il fait partie d'une série de postes plus rapprochés, il faut sonner la corne. Moi, ce que je trouve classe, c'est que les envahisseurs attaquent pas les postes avancés. Bien sûr qu'ils attaquent les postes avancés, c'est même la première chose qu'ils attaquent pour bloquer l'alerte. Ah d'accord. Et c'est encore possible de reposer la mission ou c'est trop tard?